avez ici le manager, c'est le pilote, en fait, le gestionnaire de classe de l'ensemble des tablettes qui sont utilisées par les élèves. Donc ils s'organisent en plusieurs onglets. On a d'abord l'onglet en classe qui permet de voir l'ensemble des tablettes qui sont connectées. On voit la classe qui est connectée, on voit tous les élèves, on voit leur pourcentage de batterie. On voit ce que font les élèves, on peut projeter l'activité des élèves. Et puis lorsqu'on va générer des contenus, il y a plusieurs pictogrammes qui vont apparaître de manière supplémentaire pour savoir si l'élève a reçu l'exercice donné, où est-ce qu'il en est dans sa progression, s'il a corrigé, renvoyé, etc. Le cloud sur lequel on vient déposer et récupérer des documents des élèves. Ensuite, il y a une partie qui concerne l'éditeur où on peut créer des leçons, créer des exercices. Voilà, quoi après qui vont être diffusés, distribués aux élèves. Donc c'est vraiment la partie en amont préparation de cours, les corrections, donc comme son nom l'indique, on en récupère l'ensemble des corrections des élèves, le filtrage internet qui nous permet de sécuriser l'ensemble des sites internet et de bloquer ou d'autoriser un certain nombre de sites, et de la même manière pour les applications, on en restreint certaines, on en autorise d'autres. Prépare un exercice donc sur les tablettes, par exemple avec le manager, donc je le prépare pour qu'il soit déployé. Les élèves s'installent, ils sortent leurs affaires, leurs trousses et ils sortent leurs tablettes. Ils se connectent au serveur, ils rentrent leur mot de passe, leurs identifiants. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chaque élève peut le faire à son rythme. Par exemple, le travail de lecture individuelle, chose que je fais en allant voir chaque élève, là tous les élèves peuvent le faire quasiment en même temps. Ils m'envoient leur production et moi je peux l'écouter après sur la correction. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que je peux projeter le travail des élèves sur le tableau avec le vidéoprojecteur et notamment par exemple plusieurs tablettes à la fois. Donc on peut comparer le résultat des élèves. Et on peut ensemble réfléchir à qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Les élèves font des erreurs et alors ces erreurs vont nous servir à progresser. On ne travaille plus comme je travaillais à 20 ans avec les manuels sur la table voilà, pour préparer un cours. Vraiment, la tablette aussi est un outil pour nous.